Le VinaPI, c'est une très grande association, une union qui va rassembler 550 associations dans toute la France, qui existent depuis plus de 60 ans et qui militent pour la défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'existe rien sur le territoire. Ce qu'il faut développer aujourd'hui, c'est le besoin d'accompagnement des enfants, quel que soit le lieu où ils sont accueillis. Qu'ils soient dans l'éducation nationale, dans l'école ordinaire, dite ordinaire, ou que ce soit dans des institutions spécialisées. Ils ont besoin de tout l'accompagnement, tout le diagnostic permettant d'avoir ce meilleur accompagnement pour leur permettre un développement majeur de leur personne. Les principales difficultés, elles sont souvent d'ordre de moyens humains. Il y a dans la déficience intellectuelle que nous portons au niveau de l'UNAPI un besoin d'accompagnement humain. C'est pour nous le fauteuil de celui qui est handicapé physique. C'est l'accompagnement humain qui va permettre d'accompagner au milieu scolaire ordinaire. C'est celui qui va permettre ce plein épanouissement de la personne, quel que soit le lieu où elle va se trouver dans la société. La mesure importante qui est absolument nécessaire, c'est de mettre des moyens humains pour satisfaire à toutes les demandes qui existent sur le territoire. Ce sont 20 000 enfants qui n'ont pas la bonne scolarisation en France. Nous devons vraiment mettre en action des moyens pour cela, pour améliorer cette existence.